Tilleux nous a écrit des pièces pour hautbois, une sonate, mais également aussi un diptyque, qui commencent toutes deux par un mi grave, et je trouve que le grave du hautbois, c'est quelque chose de très bien. J'aime bien le grave du hautbois. Quand on s'échauffe juste avant de commencer à jouer à l'orchestre ou en concert, eh bien on fait tous un petit peu la même. Alors c'est une sorte d'improvisation, mais on est tous dans le même registre et on termine tous par si bémol. Voilà, c'est généralement, on reconnaît le hautboïste qui s'échauffe avec cette note de si bémol qui est la note la plus basse du hautbois. En ce moment, si vous me prenez mon téléphone, et je suis sur l'oratorio de Pâques de Bach. Et pourquoi je l'aime ce solo? Parce que c'est l'élévation perpétuelle, on n'arrête pas de monter. C'est le canard de Pierre et le loup de Prokofiev. Voilà, juste le début du canard. Ça, c'est le hautbois qui permet aussi aux danseurs d'être légers comme l'air. Dans la musique contemporaine, ce sont les sons multiphoniques. Ainsi de suite. Je peux tenir 10 minutes, un quart d'heure, mais ça va vraiment être lassant pour vous. On inspire par le nez et on appuie sur les joues pour se servir de l'air qui est dans la bouche. Quand on gonfle un ballon, c'est avec la force des joues. Eh bien nous, on joue avec ça à ce moment-là quand on inspire par le nez. Ah oui ! Ben, vous savez quand même que le hautbois accorde l'orchestre. Il y a tout un cérémonial, le hautboïste se lève et il donne le la, l'auguste parole à tout l'orchestre. Il ne faut pas qu'il se trompe. Hein. Et voilà. Les parapluies de Cherbourg ou les demoiselles de Rochefort? Non, les parapluies de Cherbourg, quand ils arrivent... Non. Les demoiselles de Rochefort, pardon. Quand les danseurs s'installent... Enfin, non, je ne suis pas là pour chanter, je suis là pour jouer.